Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est TV du peuple RD Congo en direct de Kinshasa. Aujourd'hui, moi et mon frère, donc on s'est décidé ce matin pour vous informer des informations qui sont à la une. Lui c'est Arnold, moi c'est Joseph Ntumba Kabambambalandaye. Je m'en vais directement pour dire bonjour Arnold. Bonjour monsieur Joseph Ntumba Kabambalandaye. Ok, aujourd'hui nos auditeurs sont là devant leur télévision. Donc, c'est quoi ce qui est proposé pour eux aujourd'hui? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour tous les abonnés de TV du peuple RD Congo. Je vous remercie tout le monde pour nous communiquer nos informations touchant à la vie politique de ces pays. Yango tous ces piliers tenir tous à la fois toujours ensemble en premier lieu et remercions l'Éternel qui nous a fait grâce yango tellement sous les lots n'a pas cette télévision mais bien pour nous mais avec information pour eux n'a pas été nous qui en a mis sans pour autant tarder les lots tous en a des informations ou donc informer bino ou donc même la bino ben clair c'est smart sur yango ou ils ont ça la belle sur les réseaux sociaux ou ils allaient payer à la in sur toutes les pages yaba réseaux sociaux sur toutes les pages à la chaîne internationale. Yango solo ya liboso toko informé bino ezali propos o ezali tenu par monsieur Julien Paluku oyo azali ministre ya industrie pe li solo ya mibale o toko solo la et kozala li solo ya ba caméléon oyo bazali na porte ya union sacrée o bazako kité ba famille politique na bango pona koya ko sangana na mokonzi ya mboka na union sacrée pona ko sunga avancement ya pays oyo pona ko sunga botomboli ya république démocratique du Congo yango wana nde ezali masolo mibale toko essayer ya ko betela ba imboka ya ko lobela bango na tongo walelo. Merci mon amboka balandi ya TV du peuple bolinga bolimbi simukie o tozo senga bino par rapport ya son oyo bokozwa bino bokozwa lelo tozo ki mo kokoso mukie na descente haute guita qui na palais du peuple balanda ki biso et pas ba policier ya mboka na biso to ebité ce qui ezala ki ordre ou ta ki pana ni tina biso ba to presse ba journaliste ba zolanda biso ba zoboto la biso ba caméra ba matériel voire même micro na biso ezala ki au katana pour l'instant tout ça na micro té mais on se débrouille un peu na lingé na biso mais ce qui sont ezalo lingé ezawana bon mais kako limbi sa biso mais prochainement to ko luka moyen to améliorer son abiso na banzi avant to banda nanu maloba na biso ya tongo ya lelo na zo pesa nanu mokambi ya chaîne oyo abengami na kombo ya Symphorien Kalalambalanda na libota ne mobimba Arnold je pense que lelo pe ange pe asante ange kashila. Oui, je pense que le lot ange azalité ezali moko a biso to zali lisanga tante bi TV du peuple RD Congo to travaille ka biso moko te mais to travaille ka na lisanga ange azali moko a biso cela veut dire to travaille ka d'une manière rotative cela veut dire ce qui le lot moko na biso a présenté émission lobby pe mosusu ko ko présenter et ce qui moninga na biso azali empêcher to ko ça la effort wana to mema toujours ba information to lobby la toujours ba na mboka oyo bazala ka toujours na yekenge bazala ka toujours ba information sur la biso bi pa ipe ange azali to pesier mbote et tant na pesier mbote ko bosa na pete amour bilolo amour bilolo journaliste bien qualifié amour bilolo na pesier pe mbote bongo Arnold to mekako gagné tangonga na biso na tongo ya lelo na banzi ete to ko passer na lecture ya mai oyo to bombeli ba imboka na tongo ya lelo mais na singi yo er moko avant ça la lecture mekako lakisa ba imboka ba mekako yeba source nini to zui ba information na biso po to sala na mwa difficulté te place wana. Bah il manque ben information habituelle ils allient ben information vraie ben information fiable ils allient information obvio ils allient imaginaire t tous au canisien on a monté la biseau pour n'encore combattre la binoté ils allient ben information moko oh tous en engrossir tous en on a bas source vraie y a monté combattre la binoté du solo y a monsieur Julien Paluku tous lui en on a site où ils allient y a media.congo.net p interview au monsieur Julien Paluku à Sali à Selango devant Jeune Afrique
yango sans pour autant tarder trop bête les bino déjà quoi ils allent solo y a liboso y a mokolo alelo tous les bino une petite lecture pour essayer au moins de comprendre la quintessence ya information au lieu de tous les bino à mokolo alelo Julien Paloko Exibela. Certains sociétaires du FCC croyaient qu'il y a deux présidents à la tête de la République démocratique du Congo au cours d'un entretien avec Jeune Afrique. Julien Paloko, ministre de l'Industrie, souligne que ce qui a manqué à certains sociétaires du front commun pour les Congo FCC en cible, c'est de chercher à croire qu'il y a des responsables au niveau de la République. Moi, le propos de M. Julien Paloko, je crois que ce qui a manqué à certains des sociétaires du FCC, c'est de chercher à croire qu'il y a deux représentants ou des responsables au niveau de la République et oubliant qu'il y a celui qui a l'impérium du pouvoir qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi et ancien président de la République qui n'a plus l'impérium du pouvoir, a-t-il déclaré. Dans la foule, le lui de la province du Nord, Kivu, demande à ce qu'on laisse Joseph Kabila faire sa retraite librement après 10 ans de règne. Nous devons laisser le président Kabila, après 10 ans de pouvoir, de faire sa retraite politique calmement et ne pas le mêler dans les affaires qui concernent la gestion du pays. Laissez le président de la République faire son travail et nous, instruire de ce que nous devons faire. Bah, imboka wanezali, bah propos et ça tenait pas moi l'imboka Julien Paloko. Et ça a l'icambo moko ils ont cela vu se passer que certains membres ya FCC, certains sociétaires ya FCC et certains regroupements politiques et alliés au bazali na katia FCC, bah se croire et mettre dans leur tête qu'il y a deux dirigeants dans ces pays. Or, M. Félix Antoine Tshisekedi, azali le président de la République légitimement élu au fait au Pessaye. Longo n'y a tout pessé, bah on a besoin pour pouvoir diriger ces pays. Pour nous, longo la pays où la katia bou, longo la pays où la katia poto poto au pays où azali qui plonge. Par rapport au règne, vie où le président, l'ancien président, le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange a dirigé Mboka où lui et ses acolytes pendant 18 ans, mais Mboka O, ils allaient toujours dans Katia. Mignoko, ils allaient dans Katia souffrance, ils allaient dans Katia difficulté. Les sociales de la population ne pas assurer la sécurité, ne pas assurer. Les peuples vivent dans le chaos. Yango, moi, Mboka Julien Paloko, étant sociétaire au sud de l'FCC, à l'ombre FCC pour nous rejoindre l'Union nationale où ils allaient à Mboka Félix Tshisekedi. Pourquoi? Par rapport à la vision du président de la République, nous ne pouvons soutenir que la bonne vision qui assure l'indépendance de la justice, qui assure l'état des droits, la bonne gestion qui assure le développement du pays. Et M. Julien Paloko, en regardant la vision du président de la République, à mon yété, nous sommes présents de la République à Zobongesa, ils allaient pour l'intérêt du peuple congolais. Et pendant le règne du président Kabila, il n'y avait pas l'intérêt du peuple congolais, mais il y avait l'intérêt personnel de l'individu. Il fallait faire ma kamonsu sur balani peba, mais qu'à consos sur la moutière. Pour mutuna onga na kutuna o, ils allaient vraiment mutuna moko ya mutu ya mingi. Peut-être que les propos de Julien Paloko ne sont-ils pas des propos d'opportunisme ou flatteur? Bon, moi je dirais ceci, traiter les propos de M. Julien Paloko, ou Azali ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province de Nord Kivu, lui traiter d'un opportuniste ou le traiter d'un flatteur, ils en ont sens. C'était pourquoi il n'y a pas de mauvais dirigeants, mais il n'y a que des mauvais chefs. Si le chef est mauvais, il ne suivre rien que le pas du chef. Si le chef dit volant, exécuter rien que ce que le chef dit. Le président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, Kabange, le sénateur Avi, par rapport à sa gestion du pays, ils allaient qui gestion Moko, ils allaient qui gestion Yamabe ya pays. Et toute personne au Azaleki Simanaye ne pouvait qu'exécuter tout ce que le président de la République Alingaki Alobe la Bango na époque na Bango wana. Cela veut dire que tout ce que le président Kabila disait Barkolit na bandaki kokoto sanyanso ya bandolo. Pourquoi? Pour ne pas tomber la kanda na ye, pour ne pas que la main de Kabila zala likolo na Bango. En regardant maintenant la vision ya mon Mboka Félix Antoine Tshisekedi, M. Julien Paloko ne peut jamais rester
borné na kaya FCC abana ko soutenir toujours la mauvaise vision qui est de détruire le président de la République, la mauvaise vision qui est de ne pas soutenir l'œuvre du président de la République mais qu'on conduirait vers échec. Pourquoi le président de la République Joseph, l'ancien président Joseph Kabila na mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi tant moi zibo ko zi mo na mboka kosa li sous bana mikete po bamika bakosa ka bisoti lelo. Parce que vous voyez que l'état des droits est écouté. Je suis sous la inquiété parce que ebele ya ba député ya FCC bangwana ba komi okima na lombango pour balanda ino sacré. Mais mutuna na nga ya mibale onga na zotu na yo omeka ko opesa ba yimboka moi limbola moko boya bien pour ba mika sosola nini ezoleka parce que biso to yebi ke monsieur Paluku wana c'est un proche il y a Kabila tu es bien très bien mais mutuna nangezabo monsieur Paluku aille à faire 12 ans à la tête de la province sous Kabila est-il pas un pion de Kabila pour paralyser l'union sacrée c'est une question tellement importante et une question qui va apporter beaucoup d'éclaircissement, une question qui va susciter encore des débats, une question qui va essayer que nous puissions apporter encore des informations vraies, une question qui aidera que nous puissions apporter encore une bonne compréhension dans le tout yaba congolais. Je vais soutenir les propos de Kitengye sous Oyalobi que le FCC, c'est l'arbre renversé par les vents et qui avait plus de branches. Cela veut dire quoi? Je dirais le FCC n'a pas de base juridique. L'FCC n'a pas de base, l'FCC n'a pas un soutien populaire. Cela veut dire quoi? Monsieur Julien Paluku, Azali ministre de l'Industrie, puis Azali ancien gouverneur à Nord Kivu, c'est un natif de ce pays, un natif de Kivu. Azali mwana mboka ya solo. Cela veut dire quoi? Nous étions dans une époque, nous étions dans une période où tout était dans le chaos, tout était pour l'intérêt personnel, tout était pour remplir nos poches. Et non pour l'intérêt général. Mais c'est Julien Paluku ne pouvait qu'exécuter à tout ce qui était ordre donné par M. Joseph Kabila. Il n'avait pas de choix. Pourquoi? À l'époque de Kabila, c'était toute personne qui n'exécutait pas, toute personne qui ne se soumettait pas à tout ce que disait Joseph Kabila Moutouana Zalaki Kontré. C'était sa vie qui était en péril. Il ne pouvait qu'accepter tout ce que disait Joseph Kabila. Il y a un autre monde qui est là. En ayant ce souci-là, M. Julien Paluku, il y a que Sunga. Industrie ya mboka ya kosunga population ya ezale ya nord ezale ya sud kivu ya kosunga toute la république démocratique du Congo a préféré à longwa quand ya FCC où les intérêts généraux sont réduits où il y a les intérêts privés à longwa quand wana pour na ko soutenir moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi na union sacrée apporter sa pierre pour la construction des édifices de ce pays apporter sa contribution dans ma canisse, la vision, il y a mon amboka pour la vision na eke ni boso. Il y a mon akoloba mon amboka, Julien Paluku, azali ni flatteur, azali ni opportuniste. Pourquoi? Nakoloba, il a toutefois gagné sa vie, il a toutefois une condition sociale bien assurée. Venir aider le président de la République, c'est par rapport à cet amour du mon pays mboka, azali mon amboka, mon amboka, c'est ça makamoko ça en cours, balanda union sacré, mais biso tozo talaka. Nous observer pour tout ça. Ce qui union sacrée wana ba yeli on a profit ou bien ba tomorrow si mana ba ngo ba zo tina ba ngo donc tout ça là mais n'a pas été si je n'abuse ya liboso et ce qui wana et ce qui te faut essayer de vivre na biso ils ont permettre biso te pour tout continuer il fallait donc ce qui moi éclaircissement ils ont mouqué mais quand qu'au salongo n'a pas sur une minute oh mais quand il y a moi le biban en boka peuple azali libomate peuple congolais azali un peuple intelligent un peuple qui raisonne un peuple qui réfléchit cela veut dire quoi nous ne pouvons pas accepter que Mutu a outi dans une famille politique quelque part a outi dans un parti politique autre aya que lui dépasse. T'as bondi pendant 37 ans pour ce pouvoir. T'as bondi pendant 37 ans, t'as souffrir. Bah tu bats koufi, peuple koufi, bah tu bats nyokwami, bah leader, bah cadre. Y a IDPS, bah bongi si bongo ina bango.
Et aujourd'hui, tu as au pouvoir pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt général. Donc, on dit maté à ta moquette. Une personne quittant une famille politique quelconque pour venir s'intégrer dans l'Union sacrée, en ayant cette ambition-là, en ayant cette image, en ayant cette idée de venir nuire le président de la République, ou nuire les œuvres, ou nuire la bonne vision du président de la République. Pendant que c'est la réalité que nous vivons dans ces pays. Il y a certaines personnes qui seront animées par cette mauvaise volonté. Oh yo, bakozala, batindami, et pas dirigeant d'abord, il y a FCC, de venir s'intégrer dans l'Union sacrée en ayant l'idée. Il y a qu'au renverser le président de la République et non de soutenir le président de la République dans son œuvre. On voit un abus de la population, donc là, la tête, donc on a toujours 6 mois. Il y a président de la République, donc on a toujours 6 mois. Il y a moi, Naboka Félix Antoine Tshisekedi dit pendant que Kundo là-bas, on a pu mettre à l'écart de l'Union sacrée pour l'avancement. Merci, 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 moi, Naboka, merci, Mimi. Tome kako le kana deuxième sujet na biso to kanye ngonga ngonga ezamuke tome kako le kana deuxième sujet na biso tana biso ezamuke sujet yami balé ou toko informé bana mboka ezali oyo ezo sala encore le baise sur les réseaux sociaux oyo ezo sala encore le baise sur la toile, sur les journaux, ils ont le bama. Depuis ton roi de l'OPE, il y a certaines personnes au Babengi Bisso de par-ci par-là. Bah, nous sommes nakati amboka OPE, bah, nous sommes du banda amboka tozu ba appel. Y a ndenge na ndenge bazo parler, Bisso sur des caméléons à la porte de l'Union sacrée. Y a ngoto lunto sosola na banda amboka tonguto solo la likambwana ou étalé des caméléons, des opportunistes et des flatteurs. Oh, baza koya ko toke porte y a Union sacrée pour pouvoir s'intégrer avec l'idée de nuire. Bah, caméléon, on voyait bien moi déjà. Oui, moi je me dis aujourd'hui, nous nous disons par exemple aujourd'hui, mais c'est Julien Palou pour Azali Mwanamboka. Ce qui a été intégré les lots, la Union sacrée de Robo a été pourquoi? Parce qu'il y a les sangs. Il y a pas beaucoup de choses qui ont été. Il y a les sangs qu'on mais ceux qui n'ont pas été en train de se faire, il y a un proche de Kabila, il y a un proche en arrestation. Donc, au moins, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire, je vais vous un exemple, je vais vous donner un exemple. Bah, et Moutounette, Julien Palou, quoi, qu'on s'intègre. Tokobo y a été par rapport à ton analyse personnalité, naïe, ton analyse Bozalis, naïe, peut-on analyser sa petite philosophie, ou à Zoyan, au sein de l'Union sacrée. Donc soutenir y est, donc quand elle est. Mais il y a certaines personnes, ceux qui baillent les locaux, qui portent l'Union sacrée, donc on dit, mais la bangote, aussi moi, n'a pas été Robert, aïe, l'Union sacrée, donc on dit, maté. Mais on a l'Union sacrée. Attends, il y a l'Union sacrée. Attends, moi, je suis un Félix Antoine Tshisekedi qui a été fait. Mais ce que le peuple a il y a certaines personnes qui ont figuré comme on a figuré jamais dans l'Union sacrée. Pour que ça toujours comme étant le baya, il soit président de la République pour bloquer sa vision. Il y a un chef de l'État qui a été fait. L'Union sacrée est boyou moutouté. L'Union sacrée est boyou moutouté. Oyo a kolinga ala na Union sacrée et peki sa mité ke ya kola na Union sacrée. Oui, Union sacrée. Peut-être que nous sommes à cause de la bazo banza na ndenge na bango, mais Union sacrée est bon côté. Union sacrée est en koma kuna. Donc, tant que bakende kuna bakende kuta la population te bakuta na chef de l'État. Bon, le problème, Otoko insiste aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi a kenda qui na irnete, à côté déjà va voter. Toi qui n'as qu'une machine, tu as déjà ma voix qui va voter comme étant président de la République. C'est le peuple congolais qui te pour Félix Antoine Tshisekedi. Et en gros, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cela veut dire que tout ce que le peuple dit, c'est ce que Dieu exécute. Dieu met sa main pour exécuter tout ce qui est la volonté du peuple. Mais en gros, le slogan abisso ya. Il y a Mboka, ils ont dit le peuple d'abord. Et lui-même, le président de la République, a insisté sur ça. A lobby le peuple d'abord, partout à Kedaka, c'est l'intérêt de la population d'abord, c'est l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt primaire qui prime sur Nyonso Namboka Nabiso. Cela veut dire quoi? Ce qui, moi Namboka, Félix Antoine Tshisekedi, a fongo les portes. Nabatumsusu oyo bazana longonya wana te obatumsusu o peuple lingete bakota na Union sacrée ezay biso peuple muntu to kotelema ezay biso presse o toza 4e pouvoir biso muntu to kotelema la bango pona bakota na Union sacrée bazo sinyalinga kuna bazo sinyalinga kuna deja to gagner un temps to passer na 2e point na biso yango tozo bana mboka tozo sela bino une petite lecture ya journal ya medias congo.net o ezali de caméléon à la porte de l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation continue d'enregistrer ses adhérents, qui pour la plupart viennent du FCC.
L'inconstance des hommes politiques congolais n'était plus à démontrer en RDC. Le président de la République, qui se sent réconforté par ses adhésions, devra jouer à la prudence. Cette plateforme politique n'était pas un fourre-tout. Ces politiques facilement malables au gré de leurs intérêts peuvent torpiller les actions du chef de l'État. Les politiques congolais naviguent souvent à vue ou mieux au gré de vagues, les intérêts égoïstes primant sur l'intérêt général. C'est ainsi qu'ils n'ont, pour la plupart, aucun sens des affaires de l'État. Ces hommes politiques changent d'avis, d'opinion et tournent casaque lorsque leurs intérêts propres sont menacés ou leurs prébendes retirées. Ils n'ont aucun souci d'un cadre propice à un décollage socio-économique où les valeurs morales et éthiques sont sacralisées. La dernière transfiguration en date est celle opérée par le député national et autres politiciens du Front commun pour le Congo FCC, plateforme politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ils font allégeance au successeur de ce dernier, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accompagner ce dernier dans la matérialisation de sa vision de sortir le pays du bourbre socio-économique dans lequel il est patoche. Les FCC se vident et les PPRD et se lorgnent vers l'opposition. C'est ce qui nous fait mal aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons dire que l'FCC n'a plus de base. Il y a un autre qui dit que l'FCC n'a plus de fondement. L'FCC n'a plus une fondation. Ce que peut faire l'FCC aujourd'hui, c'est de s'intéresser à Adolphe Muzito, il y a qu'à s'intégrer dans la Mouka pour créer une opposition quelconque. Nous continuons notre lecture. Depuis la destitution de Jeannine Mabunda à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, la débandante gagne les rangs du FCC, dont le poids lourd et autres espèrent rejoindre en série l'Union sacrée de la nation USN en sigre. Bon nombre d'entre eux se recrutent parmi les alliés du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Cette formation politique de Kabila risque au finish de se retrouver seule au FCC, avec l'obligation de passer à l'opposition avec Martin Fayulu et Adolphe Muzito, leader du regroupement politique La Mouka. Cette transhumance n'est pas une première. Les exemples sont légions depuis l'accession de la République démocratique du Congo, la RDC, à l'indépendance en 1990. Et cela s'est toutes les fois soldé par le déralliement sans conviction. L'essentiel, c'est de se retrouver quelque part où l'on peut continuer de jouir tranquillement de sa vie. C'est là aux grandes dames du peuple, au nom de ces politiciens de malheur parlent parfois avec emphase, des loups et top dans la barbarie. Pour ne pas prendre que les années après Mobutu de 1997 à 2000 ans, et le cas de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo AFDLP, où se sont retrouvés même les Mobutistes, et avec la création du Rassemblement congolais pour la démocratie, opposé militairement au régime, Joseph Kabila et les scissions qui se sont suivies. Les anciens Mobutistes ont traîné leur boss partout. Il y en a qui sont passés du RCD au PPRD en transitant par le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que Félix, si tu sais qu'il doit ouvrir l'œil et les bons en faisant attention à ses adhésions en série, car les loups peuvent se retrouver dans la bergerie, union sacrée de la nation, et phagocyter ses regroupements politiques de l'intérieur, se transformant en top. Le président Tshisekedi devra donc parer à toute éventualité, car habitués au déluge du pouvoir, certains viennent à pas feutrer, d'autres avec battage médiatique pour faire croire qu'ils ont réellement changé en se rangeant du côté du peuple. C'est là en travaillant avec un chef de l'État soucié et déterminé à poser le fondement d'un État de droit et de redonner à la RDC la place qu'elle mérite dans les concerts des nations.
C'est là, ces transfuges du FCC peuvent jouer à la Roublandise, cherchant le maintien du statut. Le maintien du statu quo. Oui, il y a les institutions qui les contrôlent. Si jamais les postes de l'air sont réservés pour le remercier, que cela ne tienne l'air. Désintérêt pour le bien-être du peuple n'est que secret de Polichinelle. Yango Banamboka Tozo le Belabino, le souci premier du président de la République, Félix Antoine, tu sais que dit, c'est de remettre d'abord la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Car le président de la République a ce souci-là et il est déterminé à poser les fondements d'un état de droit. Vous voyez que le président de la République n'a pas intérêt, n'a pas ce souci-là de remplir d'abord ses poches. Le souci du président de la République est de redonner d'abord la bonne image de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Pourquoi? Vous prenez par exemple l'image de certains investisseurs pour venir investir en République démocratique du Congo. Babandaki qui s'est posé beaucoup de questions, nous allons investir en République démocratique du Congo, un pays où règne l'insécurité, la barbarie, un pays où règne le mafia, un pays où l'intérêt de la population n'est pas assuré. Mais Bangoton Bazoya pour venir investir en République démocratique du Congo avec l'idée majeure d'aider la République démocratique du Congo, d'aider les peuples qui souffrent, d'aider ces pays qui souffrent. Cela veut dire quoi? Banamboka au bazana musalaté, ben industrie wana bazoya pour venir pour s'investir en République démocratique, aider aussi la population, aider les peuples, aider les jeunes universitaires. Au bazo bimala ba université, c'est qu'au bazo na musalaté, qu'au pèse ba mis sala ba emploi pour pouvoir aider les sociétés du peuple congolais. Mais tout ça, au moins, l'idée wana, et ça là qui freinait quelque part pendant l'ancien régime. C'est ce que le président de la République lit actuellement. C'est l'état des droits. C'est l'idée pour que les sociétés de la population soient arrangées. Et moi, je me dis aujourd'hui, si la personne venait pour s'intégrer à l'Union sacrée avec la mauvaise vision de Nous remarquons que l'Union sacrée continue d'enregistrer ses adhérents qui, pour la plupart, viennent du FCC. Alors, vous ne voyez pas que le président de la République devra jouer à leur présence? La question de la présence du président de la République est la chose évoquée aussi dans les tirs de Soroyo. Normalement, oui, étant qu'un humain, le président de la République devra jouer à la présence, premièrement, pour protéger sa vie privée, sa vie personnelle en premier lieu, protéger l'intérêt de ces pays et assurer la sécurité aussi sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, doit jouer à la prudence. Et tout autour de lui, il faut Azalana Batu Oyo, Bazo soutenir et paix vision naïe. Pour déchouer. Zalamoukousse, ministre Nabiso Kalatez aussi là, signalé déjà. Oui, c'est ce que je dirais. Le président de la République doit être tellement prudent aujourd'hui et il doit être entouré tout autour de lui des personnes qui soutiennent sa vision et des personnes qui comprennent la réalité de ces pays. Tolobi Yango, s'il y a une personne Oyo Azoya avec les mauvaises ambitions, Oyo Azoya n'a pas idée à ma B, pour n'a pas Isamboka Oyo, pour n'a pas ma vision à président de la République, je délivre que le peuple mettra sa main sur cette personne et la justice fera son travail. Merci beaucoup, Monsieur Arnold Dimbassa, je te dis vraiment merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Napesi papa Symphorien Kalalambalanda et Mbote Mingi. Yene mtozo sala biso to passer ba émission au Ndengeza na chaîne na biso TV du peuple RD Congo na bosanité Ange Kashila na bosani nani wana kuna Amour Rubilolo, journaliste moko aza bien qualifié na pesi Mbote Bongo Arnold na tokomi na suka olobini ni lobano ya suka.
Le Bananga Souka, ils ont toujours slogan Oyo, moi n'a pas qu'à Rossi Mukendi, paix à son âme, à Tikelabiso, que le peuple gagne toujours et le peuple finira toujours par gagner. Et nous, la presse, nous sommes derrière la population pour soutenir la population. Comme même à eux, ils ont dit violence, il y a population devant Mokonzo Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Pour la solution à la mirable, ils ont la trouver, ils ont tout soutenir le président de la République. La bonne vision là, pour l'état des droits dans ces pays. Merci. Bolanda biso prochainement pour la